Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Pearls Pro Mars, la chaîne du Japap et du Berin. Ouais, je suis tombé sur ceci. Tu sais, ce poste c'est Kimi, ma consort, à Times Square. Oui, Times Square, ouais, c'est chaud. C'est ça, non? C'est ça maintenant, c'est ce qui est en mode maintenant. Quand tu as montré que tu as le niveau, que tu as déjà quand même, tu as voyagé, bon, mon frère, tu vas à Times Square, tu te mets, oui. Arcelet est passé là-bas, voilà l'autre. Donc Bidi a mis le dolé là-bas, au lieu de mettre le tarot. Il met le dolé, bon. Voilà Kimi qui passe, les Emmanuel Keita sont passés. Vous vous souvenez quand les Emmanuel Keita sont passés, on pensait que merde, il fallait payer des milliards. On disait, mais c'est un autre level. Ces fans sont sortis pour Nagel, c'est un autre niveau là-bas. On savait que non, il faut payer des millions pour être là-bas. La vente du rêve. Gens nous ont vendu le rêve ici. Ach! Ces gens-là nous ont vendu le rêve. Emmanuel Keita, Emma Louès, Coco Emilia, Muriel Blanche, tout ça. Et la vente du rêve. C'est même ça qui a fait Mvemba cru que Coco Emilia avait les milliards. Donc Mvemba vient, il vient pour faire Coco Emilia. Mais lui-même s'est fait faire parce qu'il est venu là au rideau dans le diamant en plastique. Mais il arrive là, il voit qu'il n'y a pas l'argent. Il dit, hey, je fais tout ce cinéma, c'est pourquoi? Alors où est l'argent ici là? Je pensais que la fille avait une fortune cachée quelque part. Non. Ces petits millions qu'elle avait là, que jongle avec, que montrer là, la grosse vie avec là, mon frère, elle a utilisé pour faire le mariage. Elle-même visait les diamants. Elle-même visait les diamants. Les diamants ne sont jamais arrivés. On me donnait une bague en plastique. Ouais. Vendeuse de rêves. Quand cela passait sur Times Square, on dit. Vous savez ce qui me plaît ceci là. C'est que les deux ici là, Arcel et Kimi. Quand Arcel fait quelque part, tu vois que temps après, Kimi fait. Quand Kimi fait quelque part, que temps après Arcel. Les deux, c'est comme s'ils sont en train de s'entendre là. Cacher que non, on va évoluer comme ça. Là, c'est comme s'il y a une communication là, entre les deux là. Moi, c'est moi qui vous dis, c'est comme s'il y a une communication entre les deux là. Je soupçonne, hein. Je ne confirme pas comme ça. Certains confirment déjà que non, ils se voient en cachette. Non, moi je dis, je soupçonne. Oui, et moi je ne mets pas les organes. Je ne mets pas les organes. Mais félicitations à Kimi. Hein? J'ai vu Kimi disait un truc, un matin, tu là que vous qui ne m'aimez pas là, hein, vous allez perdre le sommeil parce que ce qui vient là, je vais sauf qu'évoluer, ça va venir. Hmm? Je vais frapper. Oui. Ça va venir. Je vais monter. Vous allez sauf que perdre le sommeil. Vous qui aimez voir la chute des autres là. Oui. Vous qui aimez voir la chute des autres là. Ouais. Vous allez mal dormir. Parce que ce que je prépare là. Ça sera la fatale. Ça sera la fatale. Vous comprenez, non? Donc, ce que je prépare là. En tout cas, félicitations, hein, Kimi. C'est bien l'évolution, c'est bien ça. C'est, tu es l'exemple, je te dis. L'exemple pour la jeunesse. C'est ça. Tous les jeunes filles, là, au lieu de passer le temps, dit que je m'avais vendu le piment, je devrais te copier. Faire comme toi. Oui, je vais centrer. Focus. Oui, tu es focus sur ton projet. Oui, pas de distraction. Oui. Il n'y a pas qu'on te dit non, on t'amène dans d'autres chemins. Non. Tu as ton chemin que tu es en train de suivre, là. Oui. C'est ça, c'est ce qui me plaît sur toi. Tu continues, c'est bien. Tu fais que brûler les étapes, tu fais que brûler, tu évolues. C'est comme ça, tu évolues, c'est comme ça. C'est ça la vie. Hein, ma chérie. En tout cas, félicitations pour ton Times Square. Et ce que je suis, ça va aller. Tes 24 heures de vente là, ça va aller en 5 heures de temps même. Je ne sais pas que quand c'est marchandise, tu as, mais je dis qu'en 5 heures de temps, ça va partir. Hein, la famille. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein? Bisous et hasta pronto. Mais surtout la famille, ne mettez pas les organes. Et attention, likez, partagez, commentez. Mais toujours sous le respect de la communauté. Vous comprenez, non? Mais venez, quand vous venez là, que vous venez insulter, c'est là où nous, on vous, moi particulièrement, je vous réponds. Hein? Et la famille, j'ai remarqué quelque chose. La plupart des blogueurs TikTokers sont en train de revenir sur YouTube. Et la famille,
Il y a 20 ans, c'est comme si tout le monde abandonnait déjà YouTube pour aller sur TikTok. Mais maintenant, c'est comme si c'est la vague, ils sont en train d'émigrer, revenir. Donc, comme si on abandonne l'Afrique, on part en Europe. Après, on part, et l'Europe, là, c'est à saturer, ça donne plus cher. On commence à rentrer encore en Afrique. Vous rentrez en Afrique, YouTube, hein? Vous venez nous rejoindre sur YouTube. C'est chaud. Ça veut dire que TikTok, c'est chaud. Hein? Je ne sais pas combien TikTok paye, mais personne n'a jamais monté TikTok. Mais sans que c'est chaud, hein? C'est chaud. En tout cas, on se prend à terminer pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.